C'était dimanche au Fort-Saint-Martin, c'était le jour des promenades en famille, le jour où généralement on prend le temps de prendre son temps. Mais pas pour tout le monde, car la fin de la semaine dernière n'a pas été de tout repos pour les athlètes participant au championnat de Moselle de cross-country. Organisé au Fort-Saint-Martin par le Romba Athletic Club, épaulé par les officiels du comité de Moselle, les coureurs de toutes catégories confondues n'ont pas eu le temps d'admirer les oiseaux. Sur un parcours jugé laborieux, physique, glissant et parfois dangereux, les athlètes ont eu bien du courage à grimper et dévaler les pentes boueuses du Fort-Saint-Martin. Parlons maintenant palmarès avec ici en image la première place chez les vétérans de Hamid Meziani. Il devance le rombasien Pascal Drian. Dans cette catégorie, le titre en équipe est d'ailleurs revenu aux coureurs du Romba Athletic Club. Notons aussi les belles performances de la Sarreguemines Moisset chez les cadettes, de la pensionnaire de l'A2M Léonard chez les juniors et surtout de la première place d'Abdel Taïs dans le court et dans le lent chez les seniors. Au total, ce sont une dizaine de courses qu'ont dû se partager les athlètes venus des quatre coins du département. Des athlètes qui étaient malgré tout peu nombreux, surtout parmi les jeunes. C'est peut-être le seul regret de ces championnats de Moselle parfaitement organisés.